Allez, salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour notre Colisium quotidien du 21 août déjà. J'ai dans ma team Protocol Dix un Sacrieur 163, Leafburn un Yop 189 et moi niveau 188. Alors, Arcmonyx Kra niveau 194 ou 194. Jarlax, un Roublard 154, je crois que j'ai déjà joué contre lui. Et Flamonix, un Yop 187. Donc, cette vidéo elle va être postée déjà sur la nouvelle entre guillemets chaîne. Enfin, on l'a commencé ce matin, il y a même pas vers 3h. Il est 17h42. Regardez, on est déjà 350. Donc, franchement, je suis assez content parce que il y a quand même pas mal de personnes qui ont rejoint la nouvelle chaîne, donc ça je suis assez content. Parlant aussi que je suis super content, c'est que mon concept monter un sacrieur niveau 200 en solo marche, mais c'est monstrueux. Enfin, je suis parti au travail, je suis revenu, il y avait 81 pouces verts, il y avait le compteur de vues qui était bloqué à 304, donc il s'est débloqué ce matin, j'étais déjà à 900 et des vues. 800 et des vues, pardon. C'est monstrueux quoi, enfin je pensais pas que le concept allait plaire à ce point là. Et j'ai fait aussi la version écrite en rentrant, je l'ai mise sur un Skyrock. Et il y a eu plus de 100 visites en même pas 3-4 heures, donc je suis assez content franchement. Je pensais que ce serait pire le fait de changer de chaîne et tout ça, mais franchement pour le moment je suis vraiment content et je suis fier de vous. Et je vous remercie vraiment de continuer à suivre mes vidéos. On va être tout de suite moins sur la chaîne, mais je suis sûr que quand je vais rentrer déjà ce soir du travail, on sera peut-être à 500 si c'est possible. Avant de pouvoir entre guillemets passer partenaire, il faudra qu'on atteigne les plus ou moins 750 abonnés. Et par contre les vues je sais pas, je crois que je vais arriver à minimum 750 à 1000 par jour. Mais logiquement en quelques jours ça devrait être rattrapé, j'espère en tout cas. Et je suis vraiment content, on va faire un truc assez marrant. On va rafraîchir, donc on est à 350. On rafraîchit 351. Je fais ça depuis que j'ai commencé. Et à chaque fois que je rafraîchis il y a minimum un gain en plus. Et tout à l'heure le maximum que j'ai fait, je suis passé de 250 à 318, un truc du genre, enfin c'était monstrueux, j'avais pas rafraîchi depuis une petite heure. Donc là le roublard adverse il a placé ses deux bombes. Donc aussi il y a pas mal de gens qui se demandaient si tu continues la capi et tout ça. Oui, il y a pas de souci, je la continue comme c'était prévu. Mais par contre n'oubliez pas que il faut vraiment pas de musique sous copyright, parce que je veux vraiment pas avoir de strike, parce que sinon je pourrais oublier l'idée de passer un jour partenaire. Donc vraiment faites gaffe à ça. De toute façon quand je vois qu'il y a une musique, je regarde vos vidéos avant de les upload. Et s'il y a une musique, je vous envoie un petit MP comme quoi je peux pas la prendre à cause de ceci ou à cause de cela. Et en rentrant du boulot ce soir, ce sera déjà demain en fait puisque je finis à minuit. Et je vais retélécharger toutes les vidéos de la Capi Academy et je les remettrai sur la nouvelle chaîne. Ah, donc le sacré là il s'est pas bien placé, il s'est pris la punie. Je sais pas trop quoi faire. Je vais taper à la boomerang. Le Kra. Voilà, c'est le plus dangereux, j'ai l'impression. Même le Yop, il fait un petit peu peur, mais par contre là le sacré va se remettre dans un mur de bombe. Voilà, c'est dommage. Voilà, il le fait bouger en plus. S'il le laisse là, logiquement je devrais... Bah non, il le bouge. S'il recule, voilà. Donc moi à mon tour, prochain tour.
À mon tour, logiquement, je vais pouvoir réussir à le remettre dans le mien. Ouais. Donc si je perds pas de PM, je vais pouvoir mettre le roublard plus le cra dans un mur. Ah non, juste le... Ah non, le cra aussi, il y a moyen. On va essayer de faire ça bien. Je dirais que le yop ne pète pas ma bombe, ce serait dommage. Notre Yop qui s'est boosté à mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être un bon sur au cake du Yop. Voilà, c'est parfait, il se met là derrière. Donc il a une carie. Encore une fois, ça fait deux jours que je me tape des Yop avec des caries qui font énormément mal. Donc, je dis tuer les bons. Mais par contre, de pas bouger. Voilà. Voilà. Moi, je vais m'amuser. Ah merde, le crash joue avant, j'avais oublié. Bah, de toute façon, le roublard devrait être dedans, à moins que le cra... Non. Je vais le mettre dedans aussi, mais avec le roublabot. À 2 PM, ça c'est déjà très très bien. Le cra. Ouais, je devrais avoir assez de PM. C'est nickel. J'avais peur de faire encore un fail au roublabot parce que ça m'arrive souvent pour le moment. Le roublard qui se reprend encore moins 2 PM, donc il a que à 2 PM, donc ça c'est très bien. J'ai peur de revoir arriver. Ah bon, voilà. Il va avancer, il va se coop. Ah non, même pas, il fait aimantation. Par contre, il est con de rester là parce que bah, il va se retrouver dans le mur. Prochain tour. Il se fait plaisir. On n'enlève pas tant. Ah merde, j'avais pas pensé. Donc il est là, je suis presque sûr. Par contre le cra, j'ai pas regardé CPM, donc il en a encore 5, il peut maximum descendre à 3. Je crois qu'il y a moyen que la punie soit évitée, à moins qu'il fasse une flèche de dispersion. Ah non, voilà, ça c'est nickel. On a bon, une carie à moins 1002. Ça c'est très bien joué de sa part. Par contre s'il arrive à se décaler, eh bien, il va pouvoir... Je regarde s'il y a moyen de faire une aimantation. Oui. Parce que... C'est parfait. Donc le crack il prend très très cher. Il n'a plus que 723 points de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il enlève le mur de bombe, c'est très très bien. Moi je vais encore. Par contre j'ai peur de me retrouver à 2 PM, ce serait dommage. À 1 PM, pardon. Ou à 0 PM même. Ça va, il me reste quelques PM. Placer le yop là-dedans. Et on va essayer de péter ce truc. Oh merde, elle est pas morte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il aurait peut-être dû essayer d'attirer le sacré, je crois qu'il a fait des conneries. Ah non, il peut toujours le faire. Attirer notre sacré dans mon mur. Ah non, il met le yop. Mais c'est bizarre parce qu'il était sous sacrifice, logiquement.
Ah non, il a fait une coop. Donc notre Yop qui va mourir. Le roubleur, voilà, il a tué notre Yop. Donc il joue, franchement, il joue très bien. Moi, je suis pas très chaud là pour le moment, faut avouer. La coco, aïe 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 aïe, j'avais pas pensé à ça. Oh putain, je suis dans la merde. Non. Ne tue pas ma bombe, s'il te plaît. Voilà, ça c'est très bien. Tu restes là dans la Diego, tu vas même là, c'est parfait. Non, tu la tues pas. Voilà. Alors. Toi, tu viens là. Tu vas aller là. Le Yop. Réflexion. Réfléchis. Ah non, merde, faudrait que je puisse faire poudre. Putain, j'ai pas bien joué là, j'ai trop réfléchi, je savais pas quoi faire. En même temps, 3 contre 1, c'est pas évident. Je vais peut-être me convaincre. Putain, j'ai pas vu que le cray il est plus que 300 vies. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai peur. J'aurais dû faire cabot. Voilà. Je vais te faire péter. Il est en pas notre classe en plus. Non. 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 Il m'a pas tué. Il va me pousser sur le roubleur. Ouais, je suis pas mort. La flèche punie qui va me tuer. Donc ça fait 2 jours que que je perds hein. En même temps quand je fais des teams aléatoires c'est jamais évident. En plus j'ai pas super bien joué, faut avouer hein. 1203 de code, donc c'est pas trop mal. Donc moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et peut-être demain si j'ai le temps je ferai la deuxième partie de comment monter un sacrieur niveau 200. Donc moi je vous dis à tout de suite.